Et salut, c'est Foudrage et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Lost Land. C'est un petit jeu d'aventure, donc on va voir un peu ce que c'est. Là je joue sur la démo. Vous pouvez télécharger la démo dans le lien que je mettrai dans la description. Vous pouvez aussi acheter le jeu. Le jeu est à 6,99€ pour ceux qui sont intéressés par avoir le jeu complet. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un peu ce que c'est comme jeu et qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Pour l'instant, j'ai jamais joué, donc on va voir un peu comment ça marche. Si c'est un nom, d'accord. Foudrage. On va choisir. Moi, ça me tente très bien de continuer en normal. Donc, le didacticiel, ok. Montrer les lieux avec des actions possibles sur la carte, ok. Étincelle sous les zones activées, ok. Étincelle sous les scènes d'objets cachés, ok. Objectif. Montrer les lieux avec des objets à collectionner sur la carte, ok. Des indices, chargement 30, d'accord. Passer mini-jeu 60, d'accord, ok. Donc c'est parti. Petite intro, ça c'est cool. I understand, but I can't come tomorrow. I need to take my son to the dentist. Ok, bon. Alors, comme vous pouvez avoir un petit peu compris l'histoire, c'est un petit garçon qui se fait enlever par un arbre ou par une personne étrangère. Et donc, nous, on va jouer en fait sa maman qui, je pense, devra le retrouver. Donc voilà. Alors, voulez-vous afficher le didacticiel? Oui. Alors, vous pouvez changer de lieu quand vous le souhaitez. Passer le didacticiel. Ok. Ok, on peut aller là. Et là, on peut pas. D'accord. Ah, ça tombe bien, on a quelque chose à trouver ici. Donc, j'ai mis le système pour trouver facilement des objets. Donc, normalement, ça clignote. Là. J'ai vu un truc clignoter dans les coins ici. Voilà. Ok. Donc là c'est assez facile tant que ça clignote. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de... Il y a quelque chose en bas mais je ne peux pas l'atteindre. D'accord. Comment je fais pour sortir alors? Ok. Nous avons quelque chose de ce côté. Mais je ne peux pas le... Je n'ai bien sérieux, je ne peux pas le démonter. D'accord. J'ai mis le système pour voir les objets en surbrillance, comme ici. Alors peut-être que j'aurais peut-être pas dû faire parce que c'est quand même un petit peu trop facile. Alors certaines zones peuvent être examinées de plus près, sélectionner l'arme. Ok. Vous pouvez interagir avec certains objets dans la zone, sélectionner l'écorce de l'arbre pour la retirer. Ah, d'accord. Ok. Il manque quelques jetons. Pour sélectionner un endroit dehors de la fenêtre. Ok, pour dézoomer. Nous avons un jeton. Génial, passez les jetons à sa place. Ok. On le prend, on le pose. Ok.
Ok, bon, pour l'instant ça reste facile. Ceux qui aiment déjà le style du jeu, et tout ça, ne regardez pas la suite parce que sinon vous allez spoiler tout ce que tous les indices qu'il y a à faire. Donc là, on a un truc d'indice ici. Je pense qu'il veut qu'on aille là. Non? Non, je l'avais déjà vu ici. Je peux pas. Ah, d'accord, je crois que j'ai compris. Faut que je prends le couteau. Ah, d'accord. Ok. Donc en fait, c'est des petits puzzles. Ah, d'accord, et on perd le couteau. Ça, c'est pas cool. Hop. Là, on va perdre le. Ah, un jeton en plus. Donc, on perd la. Excusez-moi. J'arrête pas de tousser là. Et je le pose où? Ok, il nous en manque deux. En comptant si celui-ci aussi est un jeton. J'en suis pas sûr. Par contre, j'ai vu des choses briller. Non, ça doit être normal. Indice. On va regarder s'il n'y a pas un autre indice. Il semble que quelque chose est enterré ici. Ok. C'est pas mal. Franchement, c'est un petit jeu sympathique. Ok. Hop. Voilà. Alors sérieusement, si vous voulez acheter le jeu, ne regardez pas plus loin, ça serait dommage de tout gâcher. Donc, Crocus sélectionnez un jeton pour les déplacer par un emplacement vide. Utilisez les flèches pour le faire pivoter. Ok, alors. Bon, déjà lui. Va aller de ce côté. Voilà. Ensuite, celui-ci, je vois pas ce que c'est. C'est le corps, donc. C'est les corps d'un animal. D'un animal, pardon. Est-ce que ça peut être quelque chose de ce truc? Ok. Là, c'est quoi? C'est. Déjà, l'aigle se met là-haut. J'ai l'impression que je me suis gouré. Non, c'est plutôt le contraire. Voilà. C'est celui-ci qui se met comme ça. Je suis bourré, c'est celui-ci. Non? Non, là il y a un problème quelque part. Ah, j'ai encore celui-ci, ok. Alors, celui-là était bien mis. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Et celui-ci, il se met comment? Ah, il y a que là peut-être. Voilà. Ok, donc là nous avons le portail qui doit s'ouvrir sur moi.
D'accord. Où suis-je? Quel est cet endroit? Jimmy. Donc là, il se fait emporter par une ombre noire. Il n'y a pas de temps à perdre. Cette fumée a emporté Jimmy. Je dois la suivre. Certains lieux ont des objets à collectionner. Essayez de trouver l'ensemble des 34 objets à collectionner pour obtenir une récompense. Ok, bon, déjà on va voir un peu ce qu'on peut fouiller. Alors, je dois aider la chouette, mais cela ne va pas être facile à disperser les corbeaux. D'accord. Donc là, il me faut un objet pour les faire disperser. D'accord. Nous avons. Il devait avoir un heurtoir sur cette porte. Ok. Ici, nous avons. Cette chose ressemble à une lanterne, mais aussi à une cage. Ok. De ce côté, nous avons. Nouvel objectif. Pont. Il y a un truc qui brûle là-bas au fond. Cette chose a emporté Jimmy de l'autre côté du pont, mais dans l'état actuel, il me paraît trop dangereux de franchir ce pont. D'accord. Alors, bah on va aller de ce côté. Et là, on pourra peut-être trouver des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, déjà ça. Un rouage. On va le garder. Nous avons ici. Quelque chose de la paire, mais elle est trop lourde pour être soulevée à la main. D'accord. Encore un truc à revenir. Une chose est arrangée à la main, mais je ne peux pas l'atteindre. D'accord. Peut-être qu'on remplace seulement tous les cristaux, cet appareil fonctionnera. Ok. Alors. Il devait avoir une tête ici comme la première. D'accord. Donc on a un truc à collectionner. Ouais, c'est ça, d'accord. Alors, hop, on va regarder ici. Donc en gros, on a des sortes de petits puzzles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que cette CO doit être faite de 12 éléments de couleurs différentes. D'accord, ça veut dire que je dois les bouger. Non, d'accord. Ok. Bon, après c'est un jeu avec des petits puzzles, donc c'est assez sympa. Moi je veux sortir d'ici. Parce que dans tous les cas, je peux rien faire. Alors, je pense qu'on a tout vérifié. On a quelque chose là-haut. Je peux pas avancer. Ça, c'est le rocher. Non, je peux pas avancer. Donc, on va reculer. C'est le ici pour voir quel objet que vous avez trouvé. Non, ça ne m'intéresse pas de le regarder. Alors, de toute façon, le pont là-bas, je peux pas y aller. Ici, on a déjà été. Ok. Indice. Ça veut dire que je peux prendre. Ah ah! Chose à emporter de l'autre côté, mais à l'intérieur il est trop dangereux. Je peux pas. Ah, d'accord. Ah, j'avais loupé des choses ici. D'accord. En fait, je pense que je vais avoir plusieurs poids qui me permettra en fait de passer le pont. Là, nous avons une branche. Voilà. On récupère la chouette. Bienvenue dans la forêt des Lucioles. Qu'apporte la raison de votre venue? Faites attention à vous. Notre monde, celui des
terre perdue et sous la menace d'un démon s'est réveillé. Il a dévoré tout sur son passage. Nous sommes forcés de quitter notre île. Nous avons une chouette qu'on va pouvoir la mettre. Ah, j'étais persuadé qu'on pouvait la mettre. Par contre, j'ai loupé un couteau. Et on peut pas l'installer? Non. Ouais, je me suis dit qu'on aurait pu mettre ça, on avait vu. On va retourner là-bas. Je pense que je peux faire quelque chose avec le couteau. Je peux pas couper un bout du tissu. Non, d'accord. Là, le cristal. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Non. Ah, peut-être que. Non, je peux pas. Non. Je pensais que je pouvais décrocher en fait les couleurs pour les ranger correctement. Sortir. Indice. On va voir ce qu'il nous donne comme indice. Ah, d'accord. Heurtoir. Ah, bah voilà. Ça nous décoince un peu la chose. Voilà. Je pensais pas que je pouvais utiliser la chouette comme ça. Ah, alors, nous avons quelqu'un ici. Greetings. My name is Uri. I haven't met any people here in a long time. You say something took your son over the bridge? Then you need to hurry. The forest is large, and if you don't start searching right now, you could lose him forever. I'll help you. Try fixing the bridge for now. In the meantime, I'll climb up the tree. Maybe I'll be able to see something from the top. And take this map. It'll help you find your way in our wilds. D'accord, donc nous avons une carte. La carte vous permet de changer de lieu rapidement. D'accord. Alors, qu'avons-nous ici? Donc déjà, on va fouiller un peu ici. Alors, là nous avons. L'esprit des noirs ne se montre que très rarement. Il y a cependant un moyen de le faire apparaître. L'esprit réagit à un arôme unique, fabriqué à partir du mélange de différentes odeurs. Alteinte, ok, la flamme. L'univers doit être placé sous l'eau afin que l'esprit apparaisse. Ok, je peux pas le garder. Ça qui me donne ça plus ça, d'accord. La carte, non, je veux pas changer. Par contre, on a un, ça c'est bon à prendre. Nous avons quoi d'autre? Ça ressemble à un support en forme de fleur de nénuphar. D'accord, en fait, techniquement, on va devoir utiliser en fait quand même la recette, je pense. En revenant ici, d'accord. Bonne chose à savoir. Le tapis. Ah ah, ça a l'air d'être un puzzle. Alors, on peut le bouger. Je donge, d'accord. Est-ce qu'on peut le bouger? On est passé le morceau central de la mosaïque. Ok. En fait, faut que je le trouve. Je pense qu'il faut que je trouve le triangle pour après pouvoir bouger tout ça, je pense. Ok. Ensuite, ça m'apparaît. Ça, par contre, ça m'ennuie qu'il me met à chaque fois. Nous avons une burette d'huile.
Hop. Alors là-dedans, nous trouvons. Alors des jetons. Non. Non, c'est pas ça. Des éléments manquants ou au dragon sur la boîte. D'accord. Donc là, faudra venir. Non. Hop. Rien d'autre de spécial. Ah ah. Un filet. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. Et je pense qu'on est bon. On a tout vu. Ben pour être sûr. Hop. Ok. Trouver un objet dans la zone où vous orientez vers. Alors, son image sur le panneau. D'accord. Prenez l'objet que vous avez trouvé sur le panneau. Utilisez la lanterne pour éclairer les zones de son. Je dois allumer cette lampe maintenant. Comment je fais? Normalement, il me faut quelque chose. Par contre. Je pense que je ne pourrais pas. Je ne peux pas ouvrir ce sac à main nue. Ouais, mais maintenant j'ai plus mon inventaire, alors comment je fais? Parce que j'avais un couteau. Hein. Non, c'est pas ça. Continuer. Je veux sortir d'ici. Échappe. Non. Ah là. Ok. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça maintenant, mais j'ai plus mon inventaire. C'est pas cool. C'est pas cool du tout là. Ok. Ah là j'ai de nouveau mon inventaire. Par contre si je reviens là-bas j'ai plus mon inventaire. Ok. Donc on va tenter de refaire autre chose. Je dois viser les deux parties du ciseau. Maintenant que j'ai le ciseau, je peux pas le prendre. Ok, en fait, je devais juste faire ça. Ok. D'accord. On va pouvoir fouiller. C'est tout. Ouais, j'ai pas l'impression que ça. Ah. Une poignée, d'accord. Hop. Une vis. Ah, d'accord. Dommage qu'il lui manque une roue. Ouais. Donc ça, faudra que je la retrouve. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est sur la table. On a besoin de la vis. J'ai le ciseau pour couper la corde. Nous avons. Ah, ça commence à prendre forme. C'est bon. Ça me donne. Un jeton. Ah, par contre, ça, je sais pas trop ce que je peux faire avec. D'accord. Je peux pas le bouger pour l'instant. Il doit encore avoir d'autres choses ici. Un petit coup d'aide. Lance-pierre. Quoi, lance-pierre?
Alors là, un lance-pierre, je vois pas trop ce qu'on peut faire avec. Ah, d'accord. Hop. Ah, c'est sympa ce petit jeu là. Tac, voilà. C'est bon? Nous avons la tête pour la porte techniquement. Ok. Donc ce qu'on peut faire c'est on va pouvoir sortir. Et on est. Oula. Le temps passerait vite. Voilà. On est déjà à 26 minutes dans cette vidéo. J'ai un deuxième qui est pas mal. Il fait 300 millions de retourner d'éclairer cette pièce. D'accord, on va sortir. On revient ici. Ah, je peux pas y retourner. Ah zut, je pensais pouvoir récupérer en fait. Je peux pas le reprendre celui-là. Non, je peux pas le récupérer, dommage. Bon, c'est pas grave. J'ai pas de cristal. Non, il faut que j'ai des cristals en fait pour pouvoir éclairer en fait à l'intérieur avec avec ça. Par contre, je peux installer les poids. Ah, le point est déjà génial. Alors, on va juste. Non. On va juste vérifier. Alors, il y avait un truc ici qui brillait. Ah, il s'est fait de nouveau capturer. Alors, nous avons quelque chose écrit sur cette pierre, mais la mousse m'empêche de tout lire. Donc, je peux peut-être gratter, non? Non, je peux pas gratter. Alors, nous avons un truc ici. Algue, yes, ça c'est pour la potion. D'accord. Là, je ne peux pas l'atteindre. Nous allons envoyer. Je pense pas qu'une chouette puisse soulever une cage de seconde. Ok. Est-ce qu'on peut utiliser le filet? Le filet n'est pas assez long, je ne peux pas l'atteindre. D'accord. Donc ça, pour l'instant, on peut pas. Là, nous avons. Le parchemin sur l'esprit du deck évoque du sang de l'arbre. Il s'agit du sève de... il s'agissait de sève, alors... Alors cela pourrait m'être utile. Voilà, on récupère. Et on garde le poignard. Donc ça c'est cool. Comment récupérer la sève? Bonne question. Avec le filet? Le jeton? Non. Ok, donc ici il faudra revenir avec un truc du genre. Là nous avons... je dois abaisser la passerelle pour atteindre le bateau. Je sais pas comment l'abaisser. Bon, là, dans tous les cas, faudra que je revienne. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin parce qu'on a vu... un peu ce que c'est comme gameplay, comme un truc. Donc franchement ce jeu est vraiment intéressant.
Il n'est pas cher pour ce qu'il donne comme contenu. L'histoire est vraiment prenante. Donc c'est pour moi c'est un bon jeu. Donc voilà. Donc moi je pense que je vais continuer. Je vais peut-être terminer la démo. Peut-être pas tout de suite, mais un jour prochain. Et si vraiment j'accroche, mais bien, je pense acheter le jeu. Mais j'en suis pas encore sûr. À voir par la suite comment qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu découverte vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime, abonnez-vous. Allez, à plus.